Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de bœuf aux oignons cuit au wok avec une petite marinade et vous en direz des nouvelles. Regardez, et franchement ça va être délicieux. Allez, on passe tout de suite à les ingrédients. Alors, pour cette recette, il va nous falloir forcément la viande de bœuf. Donc là, j'ai pris 600 g. Il va nous falloir 3 oignons jaunes. Et pour la marinade, donc j'ai fait du fond de veau. Donc j'ai pris du fond de veau en poudre. Donc par contre, je l'ai bien laissé épaissir. Vous voyez, il est assez épais. Hein, comme ça, j'aurais pas besoin de mettre de maïzena. Parce que d'habitude, on prend des produits liquides et on met un peu de maïzena pour l'épaissir. Là, pas besoin. Il est assez épais. Je vais y rajouter de la sauce soja, une petite touche de miel, du sésame, un tout petit peu de citron et un morceau de gingembre frais que je vais couper en petits morceaux et 4 gousses d'ail épluchées, dégermées, fin à couper. Allez, on est parti. Donc pour notre viande, je vais juste détailler une fine tranche. Voilà, tout simplement. Après, si c'est trop long, vous les coupez en deux, point. Vous voyez, des petits bouts qui vont aller vite à cuire, parce que le wok, c'est quand même des cuissons assez vifs. Donc, faut pas les couper trop gros non plus. Allez, maintenant on s'occupe de nos oignons. On arrive au coupe en deux et on coupe comme ça. Maintenant, on va s'occuper de notre gingembre. Donc, on va couper en très fines tranches. Après, on va superposer. On va couper en toute petite lanière. Là, on va s'occuper de notre ail, donc on va le hacher assez finement pour mettre de notre marinade. Allez, on est parti. Donc j'ai pris un saladier, j'ai pris mon fond de veau. Je vais rajouter tout de suite l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je vais y rajouter une bonne cuillère à soupe de jus de citron pour donner un peu de peps. Je vais y rajouter mon ail et mon gingembre qu'on a coupé tout à l'heure. Et je vais y rajouter un tout petit peu de miel. Et je vais y mettre un peu de sésame. J'ai gagné au loto. Allez, et en dernier, je vais y rajouter, je vais pas cultatif, je vais y rajouter un peu de ciboulette. Voilà. Donc là, marinade est belle.
Je vais y rajouter ma viande. Toute ma viande dedans. Hop. Je vais mélanger délicatement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser reposer minimum une heure au frigo. Après, vous pouvez très bien le laisser la nuit entière. Ce sera encore mieux, il y aura encore plus de goût. Et là, on va passer à la cuisson des oignons. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. Donc moi, j'ai de la chance, on m'a prêté un wok électrique. Donc on va le tester, je vais en profiter pour le tester en même temps. Vous pouvez le faire très bien dans un wok classique, vous pouvez le faire dans une poêle, vous pouvez le faire dans une sauteuse, il n'y a pas de souci. Donc on commence, on met un petit peu d'huile. Et on va y faire revenir nos oignons. Donc on va les faire revenir jusqu'à temps qu'ils soient bien translucides. Et on va tout de suite saler légèrement et poivrer. Alors, nos oignons sont déjà bien venus. On va pouvoir y rajouter notre viande. Donc notre viande qu'on a égouttée. Et on a bien évidemment gardé... On a gardé la marinade. On ne met pas la marinade, on la mettra à la fin. C'est notre sauce qui va lier l'ensemble du plat. Allez. Et là, on fait revenir vivement. Par contre, pas trop longtemps. La viande de bœuf comme ça au wok, ça se mange pas bien cuit. Vous pouvez, mais bon. C'est tellement bon quand c'est à peine saignant. Allez, on laisse cuire un petit peu. Donc notre viande commence à être pas mal. Je vais y rajouter, pour lier le tout, ma petite marinade. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! On laisse chauffer un peu la marinade avec. Hop, on remet un peu de verdure. Et vous pouvez le servir directement dans le plat, comme ça. Allez! Je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous!